Mesdames, Messieurs, merci à vous tous d'être là pour cette première présentation des vœux du département à Nontron. Je voudrais commencer par remercier monsieur le maire de Nontron, mon cher Pascal, qui nous fait l'amitié d'être là, après, vous le savez tous, avoir vécu des moments douloureux il y a quelques jours. Et je te renouvelle, Pascal, publiquement, comme je l'ai fait personnellement, nos condoléances émues et attristées suite au décès de ton père. Je veux saluer les collègues du conseil départemental. Voilà, ils arrivent les uns après les autres, c'est bien. Juliette Nevers, Colette Langlade, Marie-Pascale Robert-Rollin, Annie Sedan, Nicole Gervais, Corinne Vermeida, Christelle Boucaud, Pascal qui est là, Michel Carpe, Yannick Nadal, Bruno Lamonnerie, Didier Bazinet, Jean-Paul Lotterie et Stéphane Dobels. Pourquoi faire des vœux du département en entrant ce soir et demain à Sarlat et après-demain à Bergerac et jeudi à Chancelade? Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que, vous le savez, notre département est un département très vaste et j'ai souhaité, et nous avons souhaité, affirmer notre présence sur l'ensemble du territoire. Nous avons voulu témoigner de la proximité que nous souhaitons avec l'ensemble des habitants du Périgord. C'est, à titre personnel, un vrai plaisir d'être ici. Je passe mon temps à sillonner la Dordogne, du nord au sud, d'est en ouest, et c'est toujours un plaisir de venir en Nontronais, où, je le rappelle, j'ai débuté ma carrière d'instituteur, puisque j'ai été 3 mois en poste à Hautefaille, n'est-ce pas, à la limite de la Charente. Je tiens à vous dire que je ne suis absolument pour rien dans les scènes de crime qui avaient eu lieu, c'était bien auparavant. Je tiens à le préciser tout de suite, mais je garde un souvenir ému de mes 3 mois. J'étais élève à l'école normale de Périgueux, tout seul, à 19 ans, face à une classe unique dans un petit village. L'apprentissage était rude, mais je crois qu'il était particulièrement formateur. Donc, je voudrais vous adresser tous mes voeux au nom de l'équipe départementale et vous dire quelques mots sur l'action du département. Les voeux que je veux vous adresser, ce sont des voeux de progrès et de solidarité. Des voeux de progrès pour la Dordogne, qui a besoin, encore et toujours, de se moderniser, de s'améliorer, d'améliorer ses infrastructures, etc., etc. Et ça ne veut pas dire que rien n'a été fait avant, je vous le dirai dans un instant, mais tout simplement parce qu'on a besoin de poursuivre notre modernisation. Et ça passe d'abord par le désenclavement. Aujourd'hui, vous le savez tous, on est un grand département rural, et aujourd'hui, la question du désenclavement, elle se pose comme elle se posait hier. Et le désenclavement, aujourd'hui, il est avant tout numérique. Donc aujourd'hui, l'effort que porte le département, à travers un syndicat qui s'appelle le syndicat mixte Périgord Numérique, que je préside, c'est véritablement d'essayer d'amener la fibre dans toutes les communes, et plus tard, d'amener la fibre chez tous les habitants. C'est le grand chantier de notre mandature, 165 millions d'euros, vont être consacrés à ce travail au cours des prochaines années. Ça se fait en 2 étapes. Une première étape consiste à amener la fibre dans chacune des communes de la Dordogne. Une partie de ce travail est réalisée par le syndicat mixte Périgord Numérique et une autre partie est réalisée par Orange, qui est l'opérateur référent en Dordogne. Il faut que dans un an, à la fin de 2018, ou tout à fait au début de 2019, chaque commune de Dordogne soit raccordée à la fibre. Ça va permettre, à vous tous, ça va permettre à une très grande majorité de Périgourdins de voir leur débit augmenter et les possibilités d'utiliser les nouvelles technologies augmenter d'une façon significative. C'est un premier plan des travaux. C'est 56 millions d'euros qui sont consacrés à ce travail. Et dans un deuxième temps, nous allons démarrer, là, ce mois-ci, au mois de janvier, la fibre chez l'habitant. Et ça, on le démarre par plaque.
Vous-même, vous êtes concerné par deux plaques, une qui couvre une partie du canton de Montpont, Saint-Aulay, Ribérac et Brantôme, une autre plaque qui concerne Thiviers, Lannoye. Et puis, il y a d'autres plaques tout autour de la ville de Périgueux, de l'agglomération de Périgueux, une autre qui fait Terrasson, la vallée de la Vézère et le Sarladais, et une autre plaque qui sera autour de Bergerac. Là, les travaux sont énormes, puisqu'il faut amener ce petit fil de cuivre, qui est un fil de verre, en vérité, il faut l'amener en limite de propriété, de façon à ce que tous les habitants puissent être raccordés. Ça changera la vie des habitants de la Dordogne, et ça les mettra au même niveau, vraiment au même niveau, que les habitants du monde urbain. Le deuxième sujet en matière de désenclavement, c'est le réseau ferroviaire, et de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas du travail à faire, notamment sur la ligne Bordeaux-Périgueux-Limoges, qui vous concerne directement, mais aussi, cette ligne-là doit nous permettre d'aller à Paris le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, bien que la LGV arrive à Bordeaux en 2 heures, eh bien, il n'y a qu'un train qui fait Périgueux-Paris en 3h40. C'est le plus rapide. Mais on n'a pas le retour. Le retour est beaucoup plus long. Donc aujourd'hui, on essaie de travailler avec la région et avec la SNCF pour essayer d'améliorer cette liaison vers la capitale. Et on a aussi 2 autres lignes qui traversent le département. C'est Périgueux-Agen, où on a régulièrement des inquiétudes et on se demande jusqu'à quel point elle pourra durer. Et une autre ligne qui fait Sarlat, Bergerac, Libourne, Bordeaux. Aujourd'hui, on met 2h50 pour relier Sarlat à Bordeaux pour faire 166 km. Si vous avez une bonne mobilette, vous allez plus vite que le train dans la vallée de la Dordogne. Et là aussi, on demande que des travaux soient réalisés pour qu'on aille plus vite et qu'on ait un meilleur confort. Malheureusement, l'État nous dit, si vous voulez que les travaux se fassent, il faut que les collectivités mettent la main à la poche, alors que c'est hors de nos compétences, que ce soit les communautés de communes, la communauté d'agglomération de Bergerac ou le département. Troisième sujet, les lignes aériennes. Là, on a une grosse satisfaction avec l'aéroport de Bergerac, qui est financé en grande partie par le département, hein, c'est 1,2 million d'euros chaque année. On a une grosse satisfaction parce que cet aéroport accueille des compagnies low cost, vous le savez, et il a dépassé 300 000 passagers en 2017, 315 000 exactement, principalement vers l'Europe du Nord et principalement vers l'Angleterre, ce qui occasionne des retombées économiques très importantes pour notre département. La moitié des passagers de Bergerac viennent dans le Sarladais, une partie vient sur la région de Périgueux aussi, et peut-être moins vers vous, mais vous, je vous réserverai un traitement spécial à la fin de mon discours. Et puis, le quatrième point en matière de désenclavement, forcément, c'est les routes. Et je veux vous dire que le département poursuivra l'entretien sur l'ensemble du réseau. Il continuera à investir sur le réseau routier pour la bonne raison que la route et l'automobile, c'est le moyen de locomotion qui est le plus utilisé par les périgourdins dans notre département. On est venu m'expliquer dans mon bureau que j'étais un archaïque parce que je n'avais pas compris qu'on avait dépassé l'ère de la voiture et que c'était plus la peine de faire des travaux sur les routes. J'ai répondu modestement que quand j'étais député à Paris, aux côtés de Colette, dans le 7e arrondissement, je n'avais pas besoin de voiture. Il y avait assez de transports publics pour nous transporter. Mais quand on habite dans un petit village de Dordogne, si l'on n'a pas de voiture, eh bien on est tout simplement perdu et on est rayé de la carte et de la société. Donc aujourd'hui, on a encore besoin d'améliorer notre réseau routier, et vous le savez. Et c'est ainsi que dans les prochains mois, vous savez qu'on a entrepris des travaux pour dévier Nontron, monsieur le maire le sait, tous les jours il me dit « quand est-ce que tu finis, quand est-ce que tu finis ?» J'ai une grande annonce à faire, Pascal, ce sera fini. Un jour, ce sera fini. Je peux te l'assurer. Alors, je ne veux pas dire de date pour ne pas me tromper, mais j'espère que ce sera avant la fin de l'année ou au début de l'autre, mais il reste un barreau à élargir encore et on le fera. En tout cas, on aura contourné Nontron. Avant la fin de l'année, j'espère qu'on aura terminé le contournement de Mussidan, qui est un très gros chantier qui pèse 15 millions d'euros.
J'espère qu'on aura poursuivi les études et qu'on aura réglé les contentieux pour pouvoir contourner Bourdeil. C'est une affaire qui est en cours depuis longtemps. J'espère qu'on aura fini les acquisitions et les études aussi pour réaliser la troisième tranche de Sarlat. Il y a déjà deux morceaux qui ont été faits, il en manque un dernier. J'espère qu'on aura pu reprendre les procédures qui ont été annulées de déclaration d'utilité publique pour améliorer la route entre la Lende et Bergerac. Voilà ce que je voulais vous dire, mais bien sûr vous allez me dire « Pourquoi tu ne nous parles pas de Beynac ?» Eh bien ce soir, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas entendu la radio, je vous l'annonce qu'à 17h30, madame la préfète a signé l'autorisation des travaux de Beynac. Bravo. Voilà, c'est réglé. On a pris, ce sont des années de procédure. Et je suis heureux de dire en nom trôné que le président du département qui a fait prendre à l'Assemblée départementale la première délibération pour acter le contournement de Beynac, c'était en 1985, donc regardez, il y a 32 ans, et ce président s'appelait Bernard Bulac. C'est lui qui a lancé le contournement de Beynac. Bon, si je vais pouvoir lui faire un texto, et avec Branton aussi, mais si on citait le nombre de contournements qu'on a réalisés, ce serait très important. Pour Beynac, ce n'est pas uniquement ce village qui est concerné, même si lui mérite d'être contourné. Il n'est pas durable qu'un des plus beaux villages de France soit traversé par 6000 véhicules par jour, des camions et des voitures, et jusqu'à 12000 véhicules jour pendant l'été. 700 véhicules à l'heure dans Beynac pendant l'été, imaginez-vous ce que ça fait. D'ailleurs, ceux qui passent dans la région pendant l'été, en général, si jamais ils me trouvent au bord de la route, ils me disent « nous on est pour, nous on est pour ». Forcément, quand on a attendu 30 ou 40 minutes et qu'on a fait la queue pour traverser un village, on se dit qu'on est pour. Mais la question, elle est en fait, quel est le désenclavement de tout le sud de la vallée, de tout le sud du département de la Dordogne? Les mêmes qui étaient opposants à Beynac, il y a 15 ans, ils étaient opposés à ce qu'on fasse l'autoroute à 89. Et c'est une partie des mêmes qui a retardé ces travaux et qui a fait que le tronçon qui allait de Terrasson à Beauregard-Terrasson a été le dernier sur toute la ligne Lyon-Clermont-Bordeaux. Et en vérité, les arguments sont toujours les mêmes. Si on fait rien, ça sera beaucoup mieux. Mais nous, dans la vallée de la Dordogne, et si je dis nous, c'est parce que ce n'est pas une affaire personnelle. C'est la route qui va de Souillac à Sarlat, de Sarlat à Bergerac, de Bergerac à Libourne et de Libourne à Bordeaux qui est concernée. On a vu au cours des 25 dernières années disparaître des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers d'emplois industriels. Et ils ne sont jamais remplacés pour une raison très simple, c'est que l'état du réseau routier et l'enclavement fait que personne n'a envie de remplacer les usines. Et manque de chance, ça continue, puisqu'à l'automne, c'était Gascogne qui fermait son dernier site. On aura perdu 150 emplois en 4 ans. Et il y a 15 jours, Euralis à Sarlat a annoncé la fermeture de 95 postes de travail. Donc ce problème de Beynac, ce n'est qu'un petit point sur l'ensemble de la voie de la vallée, du désenclavement du sud de la Dordogne. Je veux vous rassurer sur le fait que les travaux d'investissement sur les routes se poursuivront dans notre département et qu'en 2018, nous investirons en vérité plus qu'on ne l'a fait en 2017. Et à cette vingtaine de millions d'euros de travaux de route, il faut rajouter 16 millions de plus que le syndicat Périgord Numérique va réaliser pour la fibre dont je vous parlais il y a un instant. Aller vers le progrès, c'est se désenclaver, mais c'est aussi soutenir l'économie. Et le département s'est engagé dans une politique d'aide aux entreprises. Une politique d'aide directe pour ce qui concerne les entreprises de l'agroalimentaire, du bois et de la pêche, c'est la loi qui nous le permet, et une politique indirecte pour toutes les autres entreprises. Et comment on aide indirectement les entreprises? Eh bien, par le biais des communautés de communes aujourd'hui, qui ont la compétence de l'économie. On les aide à créer et aménager leur zone d'activité, et on les aide à créer de l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire à construire des bâtiments pour accueillir soit des PME, soit des artisans, un peu sur le même modèle que l'on a fait les multiples ruraux il y a une vingtaine d'années ou une dizaine d'années,
avec les commerçants. Et c'est ainsi qu'on a fait un plan des villages artisans dans ce département. Ceci en lien d'ailleurs avec la Chambre des métiers, dont je salue le président Didier Gouraud, qui est un habitant du Lontremé. On soutient également l'activité de l'agriculture, et ça dans tous les domaines, dans toutes les filières, de l'élevage à l'arboriculture. Chaque fois, le département est présent. Mais là aussi, le département s'est engagé à soutenir des collectivités qui veulent travailler sur l'économie agricole. Et je prends des exemples dans le Lontremé. C'est l'aménagement de l'ancien terrain militaire de Savignac, avec un projet porté par la communauté de communes de Lannoy-Exideuil. C'est un projet d'achat d'une ferme à Saint-Pierre-de-Frugy. Monsieur le maire, on a eu l'occasion déjà d'en parler, mais il faut que les communes s'y mettent. C'est la conversion de la ferme de Loire à Glane. C'est également le soutien à l'agriculture biologique. C'est également le soutien au manger bio et au manger local. C'est pas une mode, c'est une réalité. Il y a 38 collèges dans notre département. Aujourd'hui, il y en a plus de 20 qui sont engagés dans cette démarche. Je souhaite qu'à la fin de notre mandature, dans 3 ans, eh bien, on ait 38 collèges sur 38 qui soient engagés dans le bio et dans le local. Et pour ça, pour l'aider des équipes de cuisine, parce que c'est là que le problème se trouve, nous avons engagé un jeune garçon qui s'appelle Jean-Marc Mouillac, qui a créé à Marsanais une cantine qui a beaucoup fait couler d'encre pour d'autres raisons, mais qui avait créé à Marsanais la première cantine bio de France qui a été labellisée par Ecocert. Travailler à l'économie, c'est soutenir les entreprises, c'est soutenir l'agriculture, mais c'est aussi valoriser notre patrimoine et valoriser les activités du tourisme. Et vous savez que le département n'a pas oublié le Nord dans son travail en matière de soutien au patrimoine, parce qu'au-delà des forges de Savignac-Lédrier et du château de Bourdeil, le département a créé des bases de loisirs autour des étangs, à la Jemaille, à la Sainte-Estèphe et à Roufiac. Et que le département s'attache à développer les activités de pleine nature. C'est vrai pour le flot vélo qui doit aller de l'île d'Aix jusqu'à Prétivier, du parcours Laurence d'Arabie, en vélo aussi, des parcours du Pays des IPR, ou d'un parcours dans les gorges de l'Auvézère, qui, je l'espère, verra bientôt le jour, mais je sais qu'à la fois les conseillers départementaux du secteur et M. le maire de Saint-Mémin qui est là, ils travaillent, et j'aurai beaucoup de plaisir à venir vous visiter. Travailler au progrès, c'est aussi soutenir l'éducation, et le département est engagé dans une politique de modernisation des collèges. Là non plus, vous n'êtes pas oubliés, puisqu'on a posé la première pierre des travaux de réaménagement du collège de Piégut-Pluvier il y a quelques mois. Nous poursuivons le plan d'équipement numérique des collèges, mais le département va au-delà de ses compétences là aussi, puisque nous avons proposé à l'État de prendre la maîtrise d'ouvrage du pôle universitaire de la Grenadière, parce que notre intérêt, c'est que les étudiants de la Dordogne et les jeunes de la Dordogne puissent faire le maximum d'études supérieures dans notre département. Ça évite des frais et ça aussi les engagera peut-être à rester. Et c'est dans ce sens que l'on demande à ce que la première année de formation des métiers médicaux, ce qu'on appelle le PACES, eh bien, puisse être transférée de Bordeaux à Périgueux, ou du moins que ce soit possible à Périgueux. De la même façon, nous finançons un centre de formation des métiers à Boulazac, et en particulier le foyer des jeunes travailleurs qui y est adossé. Enfin, aller vers le progrès, c'est travailler à l'excellence environnementale. C'est le fil rouge de la politique de notre département. Nous voulons faire mieux. Notre département, il doit sa réputation à son patrimoine, à sa gastronomie, c'est une évidence, mais il doit sa réputation aussi à la beauté de ses paysages, à la beauté de ses rivières, et en vérité, à son environnement. Donc il faut qu'on continue à y travailler dans tous les domaines. C'est Pascal Bourdeau qui, en tant que vice-président, est chargé de ce domaine-là. Il le fait avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de compétences. Mais sachez qu'on est devenu un département pilote en matière d'énergie renouvelable. On a aujourd'hui une cinquantaine de chaufferies bois dans le département. Cela se fait en protégeant les espaces naturels sensibles. Cela se fait en ayant fait adopter aux communes la charte zéro pesticide. Il y a eu
Quelques petits grincements de dents au début, mais tout est rentré dans l'ordre. C'est en soutenant l'opération de Rivière Propre et enfin en créant une maison numérique de la biodiversité qui va voir le jour au cours de l'année 2018 et qui sera à la disposition de tous, à la disposition des élèves des écoles primaires, des collèges, des lycées, des universitaires, qui sera à la disposition des associations qui protègent l'environnement, qui sera à la disposition de toutes les mairies et de tous les maîtres d'œuvre, qu'ils soient maîtres d'œuvre, architectes, géomètres, etc. de notre département, puisque dans cette maison numérique de la biodiversité, il y aura un recensement absolument exhaustif de toutes nos richesses, du sol, du sous-sol, de ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a dans les airs, etc. Donc, après des vœux de progrès, je veux vous adresser des vœux de solidarité. D'abord, des vœux de solidarité pour les Périgourdins qui en ont le plus besoin. Ils sont nombreux. 78 000 Périgourdins sur les 415 000, autrement dit 20%, perçoivent une aide du département directe au titre de l'APA, au titre de l'aide aux personnes âgées, au titre du handicap, au titre du RSA, puisqu'on a une allocation qui complète le RSA. On a aussi les jeunes collégiens qui perçoivent des bourses. Nous avons élargi ces bourses aux jeunes sportifs qui vont dans des pôles et nous avons aussi créé un prêt d'honneur pour les étudiants de Dordogne qui vont faire leurs études supérieures, soit à Périgueux, parce que quand on est à Villefranche du Périgord, Périgueux c'est loin, soit à Périgueux, soit dans les pôles universitaires aux alentours. Pourquoi on a fait ça? Eh bien parce qu'on ne veut pas que pour des raisons financières ou sociales, des jeunes de la Dordogne soient privés de l'accès aux études supérieures. Enfin, exprimer sa solidarité, c'est lutter contre la désertification médicale. J'ai encore reçu le maire de Tocane cet après-midi dans mon bureau. Je ne sais pas s'il est là. Eh bien, il est là, justement, qui venait m'expliquer comment les médecins s'en allaient. Et malheureusement, ce constat, il est général. Et je vous le dis aujourd'hui, comme je vous l'aurais dit il y a 5 ans et comme je le dis depuis 10 ans, nous ne réglerons pas cette affaire-là au plan national tant qu'on n'aura pas légiféré et tant qu'on n'aura pas décidé au niveau national de ne pas conventionner les médecins qui vont s'installer dans des zones surchargées. Personne ne voudra venir chez nous. Et je regrette qu'une proposition de loi qui a été déposée par 15 jours par Guillaume Garot, un député socialiste, ait été retoquée à l'Assemblée, parce que je crois que ce n'est pas la bonne solution. Je disais ça sous la droite, je disais ça sous la gauche, je le redis aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution. On le fait pour les policiers, on le fait pour les postiers, on le fait pour les instituteurs, on le fait pour les pharmaciens. Eh bien, il faut accepter l'idée que tous les médecins ne puissent pas être autour du bassin d'Arcachon ou sur la Côte d'Azur. On a aussi des campagnes où on a besoin d'eux. Et on a là de leur profession, on a besoin de leur profession. Mais c'est aussi adresser la solidarité envers les enfants. Et vous savez que dans notre département, il y a 1000 enfants, je dis bien 1000 enfants, c'est un chiffre redoutable, qui ont été retirés de leur famille et qui sont placés sous la responsabilité du département, en vérité qui sont placés pénalement sous ma responsabilité propre, du président du département. Et on les a retirés, soit par décision de justice, soit par des accords avec la famille, tout simplement parce que la famille n'était pas en mesure de les élever. Et la crise sociale, économique que notre pays a vécue depuis 10 ans, n'a fait qu'aggraver la situation. On en est à 1000 enfants qui sont placés dans nos maisons d'enfants à caractère social ou en famille d'accueil. Mais aujourd'hui, on a d'autres enfants qui arrivent, et cela arrive de l'étranger. Ce sont des mineurs de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui arrivent sur notre territoire et qui ont fui la guerre ou la misère dans des pays du Proche-Orient ou des pays africains. Ils sont aussi sous la responsabilité du département. Le Périgord a toujours été une terre d'accueil, toujours. Et il faut rappeler avec fierté que pendant les années noires de la dernière guerre mondiale, on a accueilli 80 000
Lorrains et Alsaciens dans le Périgord. Rendez-vous compte, 80 000, ce que ça faisait par rapport aux 350 000 qu'il y avait à l'époque. Je ne sais pas où ils les ont mis. Franchement, je me pose souvent la question. Je sais que les gens couchaient dans des granges, je sais qu'ils couchaient dans des chambres, etc. etc. Mais en attendant, une partie de ceux-là sont restés. Moi, j'ai des amis à Bénac, j'étais à l'école de Bénac, j'ai des amis qui étaient des enfants et des petits-enfants des gens qui étaient venus. Une partie sont repartis, mais ils gardent de nous un souvenir cuisant, hein, et un souvenir ému, à tel point qu'à Strasbourg, ils ont érigé un pont de la Dordogne. Et les ponts, ça sert à faire passer les voitures, mais ça sert aussi à relier les hommes. Et les Alsaciens l'ont parfaitement compris. Eh bien, cet accueil, il faut être capable de le faire et de l'assumer aujourd'hui. On a accueilli 3 expériences avec des migrants au cours des 2 dernières années. Une à Mozac, une à Montignac, avec des jeunes, et à Jumillac, il y a aussi des familles qui ont été accueillies. À Nontron aussi. Alors, à Jumillac, je sais qu'elles sont reparties. À Nontron, elles sont restées et elles se sont bien intégrées. Bon, donc vous voyez que c'est possible d'aider les gens qui sont dans la difficulté. Et entre parenthèses, ça peut aussi nous aider. Parce que si on reste entre nous, les Périgourdins, eh bien, notre population va décroître et va diminuer. Et la baisse démographique dans nos écoles continuera. Vous savez que nous avions 400 élèves de moins à la rentrée de 2016, 400 élèves de moins à la rentrée de 2017, et qu'il y en aura 650 de moins à la rentrée de 2018. C'est ça la situation de la Dordogne. La solidarité, elle s'exerce envers les Périgourdins, mais nous voulons l'exercer aussi envers les communes et les communautés de communes. Tous les élus le savent. On a mis en place un système qui est à la fois clair, totalement transparent et équitable pour aider les communes à travers les cantons, avec un contrat, et pour aider les communautés de communes avec un autre contrat qu'on appelle le contrat territorial. Dans les 2 cas, on n'a pas voulu appliquer une règle qui dirait qu'on applique la proportion avec le nombre d'habitants. Parce que si on avait fait ça, l'agglomération de Périgueux aurait capté 1/4 des aides du département. Donc on n'a pas voulu ça. Et on a tenu compte dans les contrats cantonaux du nombre de communes, parce qu'il y a plus de communes dans un canton, mais il y a plus de mairies, plus d'églises, plus de cimetières, plus d'écoles quand elles y sont, plus de salles des fêtes. Mais on a aussi tenu compte de la richesse du potentiel fiscal de ces territoires. Et on a essayé, non pas de donner plus aux plus riches en le prenant aux plus pauvres, c'est exactement l'inverse que l'on a fait. On a donné moins aux plus riches pour donner plus aux territoires qui sont les moins développés et qui sont à la périphérie du département. Ils sont chez moi, dans le sud, à Belvès, Montpazier, chez Marc, Villefranche-du-Périgord, une grande partie du canton de Dôme, mais ils sont aussi dans le Nontronais, avec une partie des cantons qui sont des cantons périphériques. Enfin, la solidarité, on l'exerce envers le monde associatif, celui de la culture et celui du sport. Parce que nous sommes persuadés et nous croyons que les activités culturelles, les activités sportives sont émancipatrices et qu'elles permettent aux gens d'abord de se rencontrer, de se connaître, aux plus jeunes d'apprendre des règles, de découvrir d'autres horizons, de penser autrement, quelquefois d'essayer de rêver autrement et d'envisager la vie autrement. Ici, dans ce Nontronais, en 2017, on a soutenu 155 associations pour la somme de 600 000 euros. Puisqu'on parle de solidarité, je veux vous dire qu'à titre personnel, je n'ai pas apprécié ni la suppression de l'ISF, qui à mon avis, dans un pays comme le nôtre, avec les difficultés comme la majorité des gens, ne s'imposait pas, ni la suppression drastique des emplois aidés, parce que je sais dans quelle situation étaient les gens qui bénéficiaient de ces contrats. La moitié aujourd'hui n'ont rien retrouvé, quelques-uns ont carrément disparu des radars. Et je n'apprécie pas non plus que l'on baisse les moyens des offices publics d'HLM, parce que ça va impacter négativement et la rénovation et la construction de ces bâtiments, mais ça va surtout impacter l'artisanat,
et le travail des entreprises. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire en conclusion que malgré nos handicaps, le vieillissement de la population, la baisse de la démographie scolaire, je vous en ai parlé, la Dordogne a de formidables atouts. Elle a ses entreprises, et vous avez dans notre nez des entreprises de pointe, dans le luxe, dans le cuir, dans l'agroalimentaire. Elle a ses produits agricoles et sa gastronomie. Elle a son patrimoine. Et forcément, je pense au magnifique succès de l'ASCO 3, qui voyage à l'étranger, qui est à Shanghai aujourd'hui et qui sera à Johannesburg, en Afrique du Sud, au mois de juin, mais aussi le formidable succès de l'ASCO 4, où 500 000 visiteurs sont venus acquitter leur droit d'entrée. Je veux vous dire que ce patrimoine, il rayonne sur l'ensemble du département de la Dordogne. Et aujourd'hui, les entreprises l'ont bien compris, parce que de plus en plus d'entreprises, quand elles reçoivent leurs clients, eh bien, elles viennent faire leur soirée à l'ASCO, où la CEMITO, qui est présidée par Bruno Lamonnerie, est capable d'organiser une visite privée pour les entrepreneurs et leurs clients, mais aussi un cocktail sur place. Je crois qu'il faut être conscient que cette pépite-là, c'est un trésor de l'humanité, mais c'est un trésor pour notre économie aussi. Dans quelques jours, il y a un article dans le Sud-Ouest aujourd'hui, dans quelques jours, la région Aquitaine va organiser un déplacement à Shanghai, justement, chez les Chinois, pour faire une journée de travail avec les tours opérateurs. C'est la première fois que la région Aquitaine amène un grand site de la Dordogne. C'est la première fois qu'on amène un grand site de la Dordogne. Ce grand site, c'est l'ASCO, et la présidente du CDT, forcément, sera du voyage. Il faut que l'on soit content, fier et conscient de la beauté de nos paysages. Et le succès de l'étape du Tour de France l'a montré clairement. On a été l'étape, Bergerac-Périgueux, qui a été la plus suivie en dehors des étapes de montagne. Et il y a eu plusieurs moments dans l'après-midi où l'émission ressemblait plus aux racines et aux ailes plutôt qu'à une épreuve sportive. Ça montre quel est le pouvoir d'attraction de notre département. Mais dans ce département, il y a le Périgord vert. Et vous redire que vous avez des atouts, vous aussi, formidables. Il y a quelques semaines, j'étais à Javerlac pour inaugurer l'aménagement de la poste, d'un point public. Et j'ai dit à l'Assemblée qui était devant moi, vous avez à Javerlac un trésor qui est dans mon dos. Tout le monde regardait et on dit de quoi il veut parler. Ce trésor, c'était un panneau routier qui dit Angoulême 35 km. C'est exact, monsieur le maire de Javerlac. Angoulême 35 km. Eh bien, moi, je vous dis aujourd'hui, chers amis du Lontronais, que vous êtes une des régions de Dordogne, et peut-être la région de Dordogne, qui aura le plus de possibilités de développement dans les prochaines années. Et pourquoi vous aurez le plus de possibilités de développement? Parce que vous avez les paysages, vous avez les produits, vous avez des usines, vous avez des grands espaces, mais vous aurez une liaison avec la capitale et avec le bassin parisien que personne n'a aujourd'hui, qui fait qu'en 3 heures, vous pouvez rejoindre la capitale. Donc je suis totalement confiant dans les perspectives de développement qui sont les vôtres. Je veux vous dire que le travail que nous faisons au département, qui est un travail collectif, avec tous mes collègues qui m'entourent aujourd'hui, ce travail, il n'est pas dû au hasard et aux fruits du hasard. Il est dû parce qu'il émane de nos choix politiques. Nous sommes convaincus, et la majorité départementale l'est, nous sommes viscéralement attachés aux valeurs de progrès, aux valeurs de justice, aux valeurs de justice sociale, et aux valeurs de solidarité. Et c'est dans ce sens que nous travaillons. Nous travaillons avec ces valeurs chevillées au corps. Nous travaillons parce que nous avons le sentiment de faire œuvre utile pour les Périgourdins. Nous n'avons pas renoncé à améliorer la vie. Nous n'avons pas renoncé à changer la vie des Périgourdins en mieux, bien sûr. Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé pour 2018.